Wow, what did you think of that session about agency? For me, it's essential to feel in control of, you know, my own life and my own choices. Yeah, definitely agree, De Graaf. Yeah. I was really interested in the session about the first ever United States National Adolescent Health Action Plan. It could really be a promising practice for other countries to consider and to look at as we embark on this journey to promote adolescent health, well-being, and development. 100%. So now to our next core sessions. If you've ever come across bullying, and sadly, most of us have, you'll know what a devastating effect it can have on your and our collective lives. This core session might be for you. It's called We Deserve Better, from combating violence to fostering safe spaces. Alternatively, you might want to get involved with this one, also absolutely vital. It's called Adding It Up, Evidence to Impact, Making the Case for Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights. As we all know, data is power, and this session highlights how data is being used by young people to improve adolescent health services across 130 countries. I'll be joining that one. Of course, we are spoiled for choice today. And as we're talking about data, you might know about the wonderful Apurva Panidipu, aka the Human Calculator. Yeah. Now, she is a proper genius, but not just with figures. She's a massive thought leader on topics like work and how employers need to understand the values of the young workforce. Plus, we've got interesting partner content. The day is nearly done, folks. We'll see you after the next sessions. Unite! Hi, I'm Apurva Panidipu, and I'm so excited to be joining you at the first ever Global Forum for Adolescents. It's so inspiring that over a million young people have engaged in the 1.8 billion Young People for Change campaign, including through the What Young People Want survey. These voices are the springboard for all the amazing conversations, dialogues, and creative and innovative activities that we're enjoying across these two packed days. It doesn't surprise me at all that the results of the historic What Young People Want survey show that one of the leading priorities for young people right now is finding work that they feel inspired by. We are constantly talking about diversity in the workplace, and often we think that's about race, gender, ethnicity, and it is, but it's also about age. Not only are we the 1.8 billion strong young generation, the biggest in history, we are also the first generation to be digital natives. We are a generation which wants to feel passionate about the work which we do. But workplace leaders don't currently understand how to attract young talent and, more importantly, retain them. I believe that leaders and corporations need to reimagine workplaces so that they appeal to our generational values in this digital age, values like sustainability, social responsibility, and diversity, equity, and inclusion. It's time for leaders to listen to us, to understand and adapt the workplace in order to engage us, the next generation of thinkers, the I.8 generation. And they must adapt quickly to be ahead of the game and to be at the forefront of the future of work, innovation, and creativity. We know the incredible potential of growing our work online and how young people can engage with virtual platforms to create, grow, and develop businesses and their own personal passions. Moving forward, we need to address gender bias in technology and education and enable all students to engage in this digital age. It's time to welcome learning transferable real-world skills like the ability to pivot in order to give meaning to learning and to boost motivation. Let's make sure we don't hold back the talent of our generation while waiting to arrive at the problems of tomorrow. Instead, let's enable all young people to be actively learning and working on the problems of today so that we can fix them now. Here's to Gen Z. Hello, everyone. I'm Danielle, and I'm here to share with you new evidence that shows exactly why we need more attention and more investment in adolescent well-being. Now, we all know that campaigning needs strong facts to back up our voices. So now, for the first time, the BMJ, a leading academic journal, has released the first of a two-part collection on adolescent well-being.
The best bit is that young people's views are at the heart of the series. So let's say hello to my fellow incredible young researchers who took part in this important work. Hello. Hello. Now, we asked for your questions on this series and put them to our young research team. Understood that every government has to balance what they spend their money on. However, we do know that for every $1 spent on adolescent well-being, there's a return of $5 to $12 because if young people are healthy, educated, and have access to opportunities, they are much more likely to contribute positively to society. In this vein, governments can not only save money, but can also yield higher returns on their investment by making the decision to invest in young people today. That being said, it is necessary to note that the most important reason for investing in adolescent well-being is that this is their basic human right. And as such, it is the duty of governments to plan for, support, and address adolescent well-being. There are five domains of well-being that mattered to young people. Number one, good health and nutrition. Between 2003 and 2015, adolescents accounted for 11% of the global burden of disease, but they actually only received 1.6% in terms of development assistance. We are calling for more financial investments for young people. Number two, connectedness and community. Having a sense of belonging, good social, mental, and emotional support was linked to better health outcomes. We're calling to strengthen community and connectedness for youth worldwide. Number three, safety and support. In 2018, one in every three girls between the ages of 15 and 19 suffered from a form of physical, sexual, or emotional abuse from an intimate partner. Unfortunately, we know that the pandemic made this much worse. We're calling for a safe environment, free from harm and violence, so we can live a life free from fear. Number four, education and employment. Globally, one in five young people between the ages of 15 and 24 is not in employment, education, or training. Unfortunately, this is twice as likely to affect young women than young men. We're calling for all young people around the world to have access to school or training, especially girls and women, so that we can be financially independent, have control over our futures, and contribute to our communities. And finally, number five, agency and resilience. We know our needs and rights, and we know how to advocate for them. We also know that what gets measured gets counted. So we are calling for stronger systems for accountability to measure progress and platforms for our voices to be heard. The Adolescent Wellbeing BMJ collection was co-written by young people, which is pretty key given that the collection built on technical papers to promote adolescent wellbeing. It was particularly important to have voices from the Global South because all too often research is produced in the absence of these voices. Beyond being involved in the writing itself, young people were consulted to determine the priority themes or domains of a BMJ collection. All in all, young researchers had the opportunity to share their expertise about issues that matter to them. Climate change is already affecting our lives, putting at risk our physical and mental health and well-being, and exactly how it does so is covered throughout the series. We also focus on how health communities are in a unique position to tackle climate change, such as through evidence generation, net zero healthcare efforts, but also crucially by collaborating with adolescents on advocacy on how climate change is impacting their well-being. Thank you, fellow researchers.
The series has been 18 months in the making, and we are so delighted to be launching it now, especially because we know there's a force for change right here with us. So whether you're speaking with your head teacher, member of parliament, or president, we hope you can use this evidence to campaign for adolescent well-being. We can't wait to hear how this is being used, so let us know. There's so much more information on the campaign platform at 1.8.org. Thank you. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time! Hi, everyone. Good to have you here. Welcome, welcome. I'm going to give a minute for us to see if we can have other people join us, and then we'll start. Okay, thank you, thank you. The timer is not moving. Okay, hi everyone. Welcome. Welcome to this session organized by Guttmacher Institute at the Global Forum for Adolescents. Très bien. Bienvenue à tous à cette séance organisée par Guttmacher Institute pour le Forum Global Adolescent. Aujourd'hui, on va parler sur les évidences pour et par les adolescents. Je suis Lily Beth Namakula. Je serai la modératrice aujourd'hui. Et je vais donc, je suis l'ambassadeur de l'organisation de l'ambassade qui se concentre sur les problèmes de reproduction, sida, l'automisation, entreprise sociale et tout ce qui est positif et important pour les jeunes et les adolescents. Je suis contente de vous avoir ici. Pendant cette séance, nous aurions une vérification de notre institut sur les coûts d'investissement sur la reproduction humaine pour les adolescents et surtout pour les méthodes contraceptives. Une autre chose qui rend cette séance unique, c'est que nous aurons trois leaders de groupe qui vont nous parler comment ils ont utilisé ces évidences pour avoir des résultats positifs dans les programmes et politiques nationalement et localement. Et donc, nous avons organisé ce groupe avec différentes parties. Nous avons une association d'Inde, d'Éthiopie, et nous avons une association située dans plusieurs pays du monde. Et nous avons une vision commune qui est la santé de reproduction pour les jeunes. Donc, vous verrez les noms complets sur la plateforme et nous allons
si les entendons. Donc, nous voulons votre opinion, savoir ce que vous faites. Alors, partagez avec nous et préparez vos questions parce que nous aurons une séance de questions et réponses à la fin. Donc, nous allons entrer dans notre présentation, notre premier présentateur, c'est Betsali de Good Institute sur les coûts d'investissement pour fournir les méthodes contraceptives nécessaires aux jeunes. Merci Lilibet. Je suis Betsali et je suis du Good Matcher Institute. Je voudrais ici vous montrer les évidences que nous avons depuis 2023 par rapport aux droits des adolescents. Dans cette présentation, je vais vous montrer les besoins pour les services de contraception pour les de 15 à 19 ans. Dans 130 pays pauvres, je vais vous montrer aussi le résultat incroyable que nous pouvons avoir si nous investissons cela, où nous offrons des services pour créer les standards et aussi les investissements pour pouvoir couvrir les groupes d'adolescents. Ils seront publiés en 2024. Ils vont documenter aussi d'autres besoins que les adolescents. Nous avons aussi décidé comment ils veulent avoir leurs enfants pour avoir une vie tranquille. On a aussi, du point de vue global, se concentrer sur le monde, mais nous avons ici les données. Dans notre rapport, nous aurons les données d'autres pays également. En 2023, 14 millions de femmes adolescentes dans les pays pauvres n'ont pas pu éviter la grossesse. Donc, 14 millions n'ont pas accès à la méthode de contraception. Soit ils n'utilisent aucune méthode, soit ils utilisent des méthodes traditionnelles. Et donc, nous avons, par exemple, dans les adolescents, un pourcentage beaucoup plus élevé que dans les femmes avec d'autres âges. Et pourquoi nous avons donc cette inégalité d'accès aux méthodes? 27% des adolescents que vous voyez à gauche n'ont pas d'accès aux méthodes modernes et seulement comparé à 22% dans les pays à revenus plus élevés. Quand on regarde dans le détail, on voit que dans les 50%, nous avons aussi le besoin. Vous avez l'orange ici. 7% utilisent une méthode traditionnelle et 34% n'utilisent aucune méthode. Et nous avons donc la barre que nous avons au-dessus. Nous voyons la majorité utilise des systèmes, des pilules, des condoms et donc des méthodes plutôt traditionnelles. Deux tiers des adolescents qui utilisent les méthodes, on se rend compte que les systèmes privés ont une représentation, et donc on voit que dans les pays à faible revenu, les méthodes ne sont pas très diffusées. Vous voyez que 47% reçoivent et 80% différemment des femmes à d'autres. Et ça dépend donc, le voyons deux barres. Et on rend compte que les adolescents utilisent et comme principal fournisseur de méthodes sont les systèmes publics. Among the 20 million pregnancies among adolescents in low and middle income countries each year. Quand on voit par exemple les besoins
les besoins contraceptifs. Nous voyons que en 20 millions de grossesses, 9,7% ne sont pas intentionnelles et 5,2% finissent par des avortements ou sont des grossesses à risque. Si nous étions capables de couvrir tous les besoins de contraception moderne, nous pourrions réduire 61% des grossesses non désirées et nous pourrions donc avoir des résultats positifs. On aura une planification familiale et nous aurons des avortements aussi réduit, ce qui pourrait améliorer la santé des jeunes. Aujourd'hui, nous avons 440 millions de dollars pour couvrir les services contraceptifs et il faudrait donc un investissement additionnel de 602 millions annuels, ce qui représente 1 milliard de dollars annuels pour couvrir les besoins de contraception dans les pays à faible revenu. Et cela définit que nous avons donc l'exécutif et ça rend impossible que ce soit servi et à infrastructure. Ici, on voit le détail des investissements de 602 millions additionnels avec fort investissement en Afrique subsaharienne, Amérique du Sud et Asie. Nous avons ici juste un panorama de notre rapport 2023 et je vous invite à voir les résultats l'année prochaine lorsque nous aurons les données des autres pays. Nous aurons d'autres données sur les pays et les impacts de coûts et d'autres outils pour soutenir les adolescents dans leurs droits de reproduction. Donc, je passe maintenant la parole à Lilibet pour qu'on puisse continuer notre conversation. Merci, Beth. Donc, nous avons ici le panorama, les données sont là, le besoin est là. Maintenant, je voudrais donc savoir, les personnes qui utilisent cela, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Nous allons donc passer la parole à Peace, qui est de la IAOFP. Elle va nous parler quelques minutes et je voudrais savoir comment tu as utilisé les évidences dans le passé et comment cela influence le travail que tu mets en œuvre. Merci de votre question. Alors, ce qui a été partagé, nous utilisons cela pour défendre ces aspects à Rwanda, Albanie, au Malawi. Et donc, nous utilisons ces informations et nous concentrons sur au Malawi. Et au Malawi, nous travaillons sur la détermination du panorama de la grossesse. Et nous avons donc réduit les restrictions d'accès aux avortements. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec nos parents, les étudiants universitaires pour essayer démultiplier cette information pour que les jeunes puissent comprendre et savoir quels sont les services offerts en cas d'avortement. Parlons aussi avec des membres du Parlement où nous défendons l'importance des services d'avortement et comment cela améliorerait la santé des jeunes femmes et aussi
nous faisons des campagnes et nous divulguons ces recherches entre les jeunes et nous utilisons ces données pour pouvoir baser et fonder nos discussions. Donc, ce que nous voulons, c'est créer un mouvement entre les jeunes pour construire des relations avec d'autres organisations au Malawi et avec d'autres secteurs du service de santé. Les conditions d'avortement devraient être discutées d'une façon plus ample et devraient être partagées sur Internet et engager les jeunes. Donc, nous utilisons ces données pour pouvoir soutenir, informer, défendre et divulguer toutes ces informations, car c'est très important pour aider les adolescents à garantir leur santé reproductive et sexuelle. Et c'est comme ça que nous utilisons les données au Malawi. Merci, Peace. Je crois que tu as partagé que l'information ne soutient non seulement les jeunes dans un pays, au Malawi, mais dans d'autres, les trois pays, en utilisant différentes plateformes et leur donner une vue et aussi une façon de leur donner une voix. Maintenant, je vais passer la parole à Samaria. Alors, quelles des composantes que vous avez, nous avons eu cette présentation étudiante. Oui, je suis de Taya. Une des évidences les plus importantes pour nous, c'est que nous avons besoin des services perception moderne, que les femmes soient actives. Et nous créons alors des ateliers de discussion. Nous postons cela sur différentes plateformes pour que les jeunes aient accès à cette information et à aussi à des discussions avec différentes parties prenantes basées sur les données que nous avons. C'est très influentiel pour développer des stratégies pour les jeunes, pour que nous puissions avoir une stratégie nationale qui mette en œuvre des services de santé plus amiables pour les adolescents, pour qu'on puisse aussi améliorer les services et améliorer leur accès. Et nous sommes en vue de divulguer des informations sur la reproduction et la santé sexuelle. Et pour faire cela, je crois que les évidences sont très importantes car elles nous permettent de répondre aux questions et aux doutes lorsque nous sommes en train de défendre les nouvelles politiques et stratégies dans ce sens. Merci, Samaria. Tu as pointé l'essence d'avoir différents partenaires. On se rend compte comme les stratégies nationales que tu mentionnais ont besoin de différents piliers ne peuvent pas être atteintes seulement avec une personne. Je voudrais savoir que pense notre audience. On va avoir ici une séance de questions. Alors, avant, je vais passer une enquête et je voudrais savoir que vous répondiez à une question.
question. La question est, quelle méthode est la plus importante pour promouvoir la santé reproductive et sexuelle des adolescents? Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse. Et je vais sélectionner de votre expérience, à votre avis, quel serait le plus important lorsqu'il faut promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes? Pensez à votre expérience. Pendant que l'enquête, le sondage, vous répondez au sondage, je vais vous donner 30 secondes. Et comme ça, on pourra voir les réponses. Et donc, essayez de réfléchir pendant ce moment. Qu'est-ce qui représente le plus qu'est-ce que vous utilisez dans votre quotidien pour défendre vos idées, vos programmes, ce que vous avez déjà vu? Quelles sont vos expériences du quotidien? Vous puissiez les partager avec nous. Je crois qu'on a déjà parlé suffisamment. Vous avez déjà répondu à notre enquête. Je vais récupérer une réponse. Je veux la meilleure, celle qui a été répondu le plus. Je vais donc, on va revenir sur les résultats. Après que nous aurons écouté notre prochaine correspondance, Prima de l'Inde. Prima, je voudrais te demander quel est le challenge auquel tu fais face quand on parle de la santé sexuelle et reproductive et comment est-ce que tu gères cela? Alors, dans ce contexte, nous avons beaucoup de challenges, mais le plus grand, c'est effectivement le manque d'informations. Et donc, nous nous rendons compte que nous avons déjà un travail fait dans ce sens, mais ça n'a pas été mis en place ou exécuté. Et donc, il y a des programmes créés pour la santé des adolescents, effectivement, mais qui ne sont pas d'accès à toutes les personnes. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de divulguer. Nous avons décidé de concentrer tout cela sur une plateforme pour pouvoir la diffuser, discuter cela avec les adolescents. Et mettre en contact tous les individus et toutes les parties prenantes qui sont intéressées à embrasser cet aspect et cette expérience. Merci, Prina. C'est intéressant de comprendre que l'un des défis en Ouganda ressemble à ce qui est vu. Which advocacy methods do you think is the most important? Quelle est la façon de divulguer? It's interesting to see that we have. C'est intéressant de voir. The first one, the first answer. La première réponse, c'est le dialogue. Le dialogue met ensemble les parties prenantes. On va aussi la formation des jeunes pour qu'ils défendent leurs droits de reproduction et sexuelle. Ensuite, nous avons les médias traditionnels et sociaux. Et nous voyons aussi la participation des législateurs.
Je vois donc que tout cela est, ce sont des solutions vitales, des méthodes qui peuvent être utilisées dans les espaces corrects et dans les communautés adéquates. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est important pour vous comme audience. Donc, merci de partager. Maintenant, je vais passer. On va revenir à nos participants. En une minute, nous aurons une question. Et la question est, quelle est une forme clé pour engager les jeunes et les aider par rapport à leur santé sexuelle et reproductive, d'après ce que nous avons vu, ce qui les engage avec leurs expériences, c'est quelque chose qui est vital. Donc, en deux minutes, je voudrais savoir quelle est une façon clé pour engager les jeunes à défendre leurs droits et créer un mouvement d'adolescents pour la santé reproductive et sexuelle. On va commencer avec Peace. Merci, Libette. Je ne pourrais pas te dire une seule parce que je pense qu'il y en a plusieurs, mais je crois que l'éducation et l'autonomisation, c'est une chose qui peut apparaître lorsque l'on leur donne la possibilité de connaître, avoir une agenda, se défendre et être capable de comprendre quels sont les aspects, aussi leur offrir les données, les évidences, les informations. On essaie de trouver les façons de les soutenir, non seulement de les aider, mais de créer un plan par rapport à SHRH pour qu'on puisse effectivement créer un partenariat et engager avec les donneurs, avec les personnes qui sont des communautés qui nous soutiennent dans les droits sexuels et de reproduction pour les jeunes, et cela nous aide à avoir de meilleurs résultats. Merci Lilibeth. Merci Peace. Samaria. Je crois que ce qui peut engager, c'est l'inclusion de la participation des jeunes pendant le processus de recherche pour qu'ils puissent effectivement contribuer. Ils ont identifié des priorités, interprété les résultats et identifier effectivement qui peut répondre aux questions parce qu'ils ont une capacité de voir mieux, ils connaissent, c'est leur expérience et ce sont eux qui peuvent nous aider pour pouvoir mieux comprendre leur environnement, leur réalité, donc ils devraient participer du procès de recherche parce qu'ils peuvent bien contribuer et ça aide à construire leur capacité, leur intelligence. J'estime qu'il faudrait donc compter sur leur participation de façon plus inclusive. Très bien. Maintenant, on va demander à Prina. Qu'est-ce qui engage les jeunes et comment construire un mouvement dans ce sens-là? Je crois que je suis contente de voir le résultat de l'enquête et je me rends compte que c'est valable pour nous
parce que c'est exactement ce que nous voyons en Inde. C'est vraiment un dialogue. Et ce que nous faisons, c'est que c'est important d'avoir les adolescents jeunes pour travailler en continuité avec les décideurs, les législateurs. Et donc, nous créons des groupes en Inde spécifiquement pour être en contact avec les législateurs, pour discuter toutes ces politiques prévues pour les jeunes, dans pratiquement tous les États. Et nous avons pratiquement des adolescents de tous les États d'Inde représentés dans ces groupes et qui participent donc dans ces campis, dans ces plateformes digitales et qui nous permettent de regrouper les personnes. Donc, je ne sais pas quelle serait la meilleure réponse, mais c'est un mouvement que nous essayons de mettre en place. Très bien. Merci. Bon, j'ai une question. Comme Lilibet, j'ai récupéré 5 unités. Donc, c'est l'éducation, l'autonomisation, ensuite les jeunes comme leaders et considérés comme partenaires de valeur. Le deuxième, c'est d'avoir des partenariats avec des jeunes. Ensuite, également, souligner surtout la collaboration, la participation des jeunes. Les jeunes ne peuvent pas vivre dans le vide. Ils doivent être engagés avec les décideurs, avec les leaders. Je vous remercie de répondre à cette question. Et maintenant, tandis que nous parlions, vous vous souvenez de la question de l'enquête, c'était quelle est la méthode qui est la plus efficace pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes? La première maintenant, c'est la formation d'autres jeunes pour pouvoir promouvoir cette santé. La deuxième, ce sont les dialogues. Maintenant, nous sommes à 24% des dialogues qui puissent regrouper les législateurs, les décideurs. Ensuite, la troisième, ce sont les médias traditionnels et sociaux. Et ensuite, le quatrième, c'est l'engagement direct avec les législateurs. Bon, on va réviser ces questions et je vous pose donc une nouvelle question. Est-ce que vous avez des questions pour nous, vous, dans le public? Écrivez-les dans notre chat. De cette façon, nous pourrons les passer à nos participants et ils pourraient vous donner leur point de vue. Je vais voir ici alors. Je vois vos questions. J'ai une question ici. Quels sont les écarts dans la mise en place des politiques pour la santé reproductive et sexuelle des adolescents dans votre pays? C'est une question assez large et nous avons des personnes de différents pays. Donc, voyons si nous avons une réponse de chacun de nos participants. Prina, qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet par rapport à ton pays? Un des écarts que nous avons ici, c'est le manque de ressources, surtout financières,
Donc, en nous sollicitant aux législateurs que les polices, que les politiques soient mises en place, la réponse est toujours manque des ressources financières. Et si on parle aux personnes qui ont utilisé le service, elles nous disent qu'elles n'ont pas, accès, elles ne savent pas que les services sont accessibles et qu'elles ont bénéfice à cela. Donc, je crois que c'est effectivement encore un tabou. La santé sexuelle et reproductive est un tabou en Inde, donc c'est déjà un obstacle de plus. Et il y a le manque de ressources par rapport aux adolescents, surtout financiers, d'accéder à des méthodes qui parfois sont déjà disponibles. D'accord. Merci, Prina. Semalia, qu'est-ce que tu nous dirais? La question est, quels sont les secteurs dans la mise en place des politiques pour la santé reproductive et sexuelle des adolescents dans votre pays? Je crois que je suis d'accord avec ce que Queen disait avant. C'est un topic qui est un tabou, donc les législateurs eux-mêmes et les influenceurs ne veulent pas les mettre en place. Ça fait partie du catalogue, mais ce n'est pas sur la table. Donc, comme je l'ai mentionné avant, c'est essayer de créer des stratégies pour les jeunes, mais c'est encore sous la table. Mais les services ne sont pas encore égaux. Et si on va aux services, à certains services, ils peuvent accéder à des services corrects, d'autres fois non. Il y a des adolescents qui nous disent que certains centres de santé peuvent proposer des services disponibles aux adolescents à d'autres personnes. Et donc, il y a des stratégies qui sont prévues en catalogue sous la table, disons, à cause du tabou qu'il y a autour de cette aspect. Peace, on voudrait entendre, est-ce que je te répète la question? Non, ça va, j'ai récupéré la question, quels sont les écarts? Au Niger, nous avons des écarts, mais l'un que je voudrais mentionner, c'est dans les politiques que nous avons, l'accès au système de contraception, dans les centres de santé, on peut y aller, mais ça ne dépend pas de la personne qui fournit le service. On a encore ce biais. Nous avons encore des problèmes, par exemple, pourquoi est-ce que tu veux accès à une méthode contraceptive, quel âge as-tu, etc. Et ça, ça touche effectivement aux aspects culturels, ce qui peut empêcher et créer des biais par rapport aux accès au système de contraceptif. Et donc, parfois, même si les personnes peuvent arriver au centre de santé, ce n'est pas garanti qu'elles aient accès aux produits. Et maintenant, nous travaillons avec la formation des professionnels qui sont dans les centres pour pouvoir garantir cet accès aux jeunes. Et donc, notre orientation, c'est de traiter les adolescents et pour qu'ils puissent avoir un accès égal à l'accès donné par les adultes. C'est intéressant que les réponses sont vraiment similaires entre Ouganda, Nigeria et les Indes. Le problème, les défis sont les mêmes. Mais c'est intéressant que les solutions sont innovatives, sont différentes. On essaie
tous les côtés pour aider et donner accès aux jeunes, non seulement à n'importe quel service, mais aussi à la qualité de service, parce que je peux avoir accès et je serai jugée pour rechercher ce service. Donc, ces jeunes arrivent au service de santé, il faut qu'ils puissent recevoir la meilleure, le meilleur service, la meilleure qualité, de façon opportune, sans jugement. Il y a aussi une question ici. Je ne sais pas exactement le nom, j'essaye. Yapsir demande quelles sont les stratégies utilisées pour défendre SHRH dans des pays extrêmement religieux. Qui veut répondre à cette question? Qui va répondre à cette question? Comment est-ce que vous vous y prenez? Je crois que je me lance. Une des stratégies que nous utilisons, parce que nous sommes un pays très religieux, nous avons le christianisme, nous avons aussi les musulmans, donc nous essayons de parler avec les leaders religieux et nous ne parlons pas de cet aspect. Et nous demandons est-ce qu'on peut travailler sur une autre formation qualité. Donc, on va essayer de vous éduquer par rapport à la famille, comment mieux vivre en famille quand on se marie. Donc, c'est essayer de trouver des moyens pour travailler avec les leaders religieux dans une, sous une perspective qui est plus compréhensible pour eux et fait en faire des jeunes. C'est une bonne réponse. Ce qui intéresse, c'est vraiment de trouver un chemin. Nous avons une autre question. Melvin demande comment le dialogue avec les législateurs peuvent quand il y a une résistance, une désapprobation, est-ce qu'il y a eu des changements effectifs? C'est une longue question, mais ce qu'il veut savoir, c'est en termes des dialogues avec les législateurs. Quels sont les défis, les solutions? Est-ce que ça marche? C'est ce que je retiens de la question. Je vais passer ça à Prina. Bien. Il y a eu une résistance au initial lorsque on met le législateur en face aux adolescents qui effectivement ont besoin de ces services. Ça peut devenir, ça crée un grand impact, ça les met dans une situation assez difficile. Ça change. Dans le temps, on a certains groupes qui sont un peu plus réceptifs, mais on voit au moins dans deux villes spécifiquement les législateurs qui s'engagent les réglementations et acceptent les sollicitations et sont prenants pour les changements. C'est un long parcours à suivre et c'est à travers le dialogue que nous allons bénéficier. Questionner les législateurs, c'est une façon de les provoquer aussi. Ta question, c'est un parcours très long que de défendre ces
des agendas que nous défendons. La persistance met à bout la résistance. Donc, à la fin, on y arrive. Et le dernier, c'est d'essayer. C'est de ne pas désister. C'est ça. Il n'y a pas de réponse rapide. Mais, et il faut célébrer ce qu'on gagne au long du chemin. J'ai une autre question. Il y a un problème social légal, un écart social et légal entre les traductions entre la santé sexuelle et de reproductive par rapport à sa traduction en action. Comment est-ce que... Beth, give us an answer. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de collecter. Il faut commencer du début et utiliser effectivement les évidences pour que les gouvernements puissent avoir accès à des données. Et donc, il faut une formation sexuelle. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a dans la loi. Il faut demander aux professeurs qu'est-ce qu'ils enseignent. Il faut savoir des élèves. Donc, il faut savoir quel est le cycle de l'information, que ce soit à Guatemala, au Pérou, etc. Il faut savoir effectivement qui, où on fait la transition et comment on fait la transition. Et c'est là que la recherche. On écoute sur le terrain, on voit que ça ne marche pas, ça n'est pas appliqué, et donc on va mettre ça en face des législateurs, et c'est là qu'on peut pressionner effectivement pour des changements. Merci. Beth, je ne sais pas. J'écoute tout ici de Uganda. C'est différent, mais c'est semblable. La beauté de cette discussion, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une région, mais c'est sur les adolescents et comment on peut améliorer leur vie. C'est un aspect très ample. On ne peut pas le réduire à 2-3 aspects. J'ai une question ici, encore parmi innombrables que j'ai reçues. Est-ce que vous pourriez partager quelle serait votre réponse à l'enquête que nous venons de faire? La question, quelle est la méthode plus utile, plus importante pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents? La première, c'était le dialogue, ensuite l'engagement avec les législateurs et après la divulgation par les médias et la quatrième, la formation des adolescents comme preneurs. Alors, une réponse sans explication parce que les participants n'ont pas expliqué, ils ont juste répondu. Alors, allons-y, vous voulez que je vous répète les options? On va commencer par Semaria. La formation des jeunes comme preneurs. Et maintenant, on va passer la parole à Prina. Prina, serait ta réponse? Bon. Je suis d'accord, former les jeunes comme preneurs. Elisabeth, quelle est ton opinion? Je ne vais pas entrer en conflit avec les spécialistes et les experts, donc je vais passer la question. Et toi, Peace, quelle serait ta réponse? Oh, you're muted. I'll say my answer. Voilà. Okay.
ma réponse serait la formation des jeunes aussi comme preneurs. Bon. Est-ce que vous avez eu une réunion avant parce qu'on ne s'était pas mis d'accord pour la réponse? Mais c'est intéressant de voir que vous êtes bien d'accord que la solution est dans les mains des jeunes. Il nous faut les former pour qu'ils puissent parler par eux-mêmes, pour qu'ils puissent trouver les solutions qu'ils cherchent. Je vous remercie. Et je remercie aussi notre audience de nous accompagner. Nous avons eu des pensées très intéressantes de nos différents participants, de différentes régions, de pays, des approches différentes, utilisant toujours les données de l'Institut MAT. Je remercie l'organisation et les participants et l'audience. Et donc, brièvement, en 2024, nous ferons la publication de notre rapport. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci.